le pilote légendaire, dont l'état de santé est gardé secret par sa famille depuis la sortie de son coma en 2014, détiendrait une fortune de 600 millions d'euros selon le média espagnol Cuatro. En tant que détenteur du record de statut de numéro 1, le pilote a fait fortune grâce à sa carrière dans le sport automobile, mais aussi aux contrats de publicité et de sponsoring. L'Allemand avait notamment engrangé plus de 20 millions de dollars selon le magazine Sport Illustrate. Le champion avait en effet conclu un contrat avec Mercedes lors de sa dernière saison de F1 en 2012. Michael Schumacher pouvait aussi compter sur ses revenus issus du parrainage et du marketing. Shell avait par exemple payé 10 millions de dollars pour porter ses casquettes à chacune de ses apparitions. Au total, le pilote aurait perçu près de 50 millions de dollars grâce à ce type de contrat. Michael Schumacher, qui sont les membres de son clan, une fortune investie avec sa femme le Kaiser et sa femme Corinna ont profité de ses salaires pour investir, par exemple dans de nombreuses propriétés. Le couple a notamment fait l'acquisition d'une villa en Suisse, sur les bords du lac Léman pour une somme de près de 35 millions d'euros. Une maison adaptée aux besoins du pilote depuis son accident survenu à Méribel en décembre 2013. Toujours selon Cuatro, les époux se sont aussi offert un ranch dans le pays pour y élever des chevaux. Plus au sud de l'Europe, la famille avait également acheté une propriété à Majorque pour 40 millions d'euros. Des travaux d'agrandissement auraient même été organisés selon le site de Majorca Daily Bulletin. La famille est également propriétaire d'une île artificielle située au large des Émirats Arabes Unis et nommée Zurld. À cette collection immobilière s'ajoute un panel de voitures de luxe. Parmi ses bijoux, une Ferrari de 2003, dont l'estimation atteignait les 9,5 millions de francs suisses, a trouvé acquéreur lors d'une vente aux enchères à Genève pour la somme de 13 millions de francs suisses. Crédit photo, agence.